Vendredi 30 mars 1798, veille de Pessah. Ve'omnam, kvar yadata She'anirtze yoter ba'avodat ha'boreh. Rabbi Nachman alla comme à son habitude au mikvé. En sortant, il déclara: cette année, il n'y a aucun doute. Je me rendrai en terre d'Israël. Durant la fête de Pessah, il commenta le verset. Tu frayais ta route à travers la mer, ton sentier à travers des eaux d'ombreuses, et tes traces restèrent inconnues. Il nota la contradiction apparente entre les deux parties de ce verset et donna une explication qui les réconcilia. De ces mots, il ressortait que son voyage en Eretz Israël était définitivement décidé. Les raisons secrètes qu'il refusait de dévoiler, il avait de très nombreuses raisons d'entreprendre son périple en Terre Sainte. Tout d'abord, et afin de réaliser les 613 prescriptions de la Torah, il voulait inclure et combiner tous les commandements divins se rapportant exclusivement à la Terre Sainte avec tous ceux relatifs à l'exil, les lier et les accomplir tant sur le plan spirituel que concret. Il les détailla à ses proches. Ensuite, il révéla que chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose de son grand-père Rabbi Nachman Oredenka, reposant en Terre Sainte, il avait l'habitude de s'adresser à Rabbi Yeshaya de Yanov, enterré à Samilé, qui établissait la liaison entre eux. Or, inexplicablement, le contact était coupé. Il devait donc aller en Israël pour rétablir le contact avec son grand-père. C'est à Rabbi Oudel, kabbaliste réputé, qu'il confia plus particulièrement son désir de visiter la Terre Sainte. Rabbi Oudel le bénit en disant « Rabbeinu, vous désirez sans doute y accomplir quelque chose de très grand. Puisse Dieu vous aider à réussir dans votre entreprise. » Celui-ci explique
marqua sa reconnaissance d'un hochement de tête et répondit : cette tâche que j'aspire tant à accomplir en Israël, j'aurais pu l'accomplir ici par les prières et les supplications sans avoir à voyager si loin. La seule différence, c'est que lorsque je réussirai à pénétrer en Israël, je serai en mesure d'atteindre mes perceptions à l'aide d'habits spirituels, ce qui n'est pas le cas en exil. La différence entre ces deux perceptions est semblable à celle qui existe entre la sainteté du Shabbat et celle des fêtes. Le Shabbat, la lumière est parée d'habits, alors que durant la fête, elle en est dépourvue. Ensuite, un livre du Harizal pour illustrer ses propos. Il justifiait enfin son voyage en Terre Sainte par le désir d'acquérir la sagesse supérieure. Il existe en effet deux niveaux de sagesse. Ayant déjà acquis la sagesse inférieure, il désirait accéder à un niveau de sagesse plus élevé. Peu de temps avant son départ, un disciple lui demanda pourquoi il ne les rapprochait pas de Dieu et ne discutait plus avec eux comme il le faisait auparavant. « Je n'ai rien à dire pour le moment, » répondit-il. « Je comprends maintenant à partir du verset « Lorsque tu passeras par les eaux, je serai avec toi. » Comment est-ce possible de voir nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov chaque fois qu'on le désire? Ce fut une découverte pour moi de comprendre cela à partir de ce verset. J'estime que c'est parce que je dois traverser la mer. Mais qu'est-ce que cela peut vous faire et quelle utilité pouvez-vous en tirer? Et même si je vous illustrer cet enseignement par une leçon de morale indispensable à tous, pour le moment, les mots me manquent. Dans sa chambre, il dit « Je suis plus pauvre que tous les grands de cette génération. Un tel possède la puissance, un autre de l'argent, un troisième des villes. Moi, je n'ai rien. » Seule consolation, c'est de me rappeler que dans le monde de la vérité, tout le monde aura besoin de moi et désirera ardemment entendre les enseignements originaux que je révèle constamment. Qui suis-je ? Rien d'autre que les enseignements originaux
que mon âme révèle.